Bonjour, je m'appelle Fadi Daoura. Aujourd'hui, on va parler de la régression logistique. La régression logistique. Alors, pour comprendre la régression logistique, il faut comprendre tout d'abord la régression linéaire. Donc, veuillez tout d'abord entrer dans la vidéo et regarder la vidéo qui est une vidéo très importante à propos de la régression linéaire, les détails mathématiques, la conception mathématique de la régression linéaire. Maintenant, on va parler une fois qu'on a compris la régression linéaire, on va donc entrer dans les détails de la conception de la régression logistique. C'est quoi tout d'abord la régression logistique? La régression logistique, c'est une régression conçue de la régression linéaire. Ça veut dire que les Y de la régression linéaire, ils sont basés en fait sur des probabilités. Ça veut dire que Y, c'est une probabilité. Probabilité de quoi? C'est ça en fait la question. Probabilité de quoi? Ok. Tout d'abord, si on prend une image, et cette image en fait, c'est une image d'un chat par exemple. Ok. Donc ça, c'est un chat. Ok. Donc, et du coup, voilà. Donc ça, c'est un chat en fait. Et l'idée, c'est que le but, c'est en fait de prédire que ça, c'est un chat. Donc à l'intérieur de cette image, le but, c'est de savoir que c'est un chat. Donc, à la fin du programme, on aura donc la prédiction d'un chat. Bien sûr que tout modèle prédictif a une probabilité d'erreur, de prédiction. Et le but, c'est de minimiser la probabilité d'erreur de prédiction. Alors, comment on fait? Tout d'abord, on suppose que Y, c'est la probabilité d'obtenir un chat. Donc, la probabilité de dire que ça, c'est un chat. OK? En supposant, donc, qu'on a X et un paramètre θ. Je vais vous expliquer c'est quoi ce paramètre θ. Donc, X c'est quoi et θ c'est quoi? X c'est, ce sont les paramètres. À partir de ces paramètres, on doit savoir Y. Y ici c'est en fait ou bien 1 ou bien 0. Y égale à 1, ça veut dire la présence d'un chat. Y égale 0, c'est la non-présence d'un chat ou bien la présence d'un chien, je ne sais pas. Ou bien la présence d'un animal qui n'est pas un chat. Et du coup, le but, c'est à partir de x et de θ qui est le paramètre essentiel du modèle prédictif, le but, c'est de minimiser la probabilité d'erreur de prédiction. Alors, c'est quoi le x en fait? X, c'est en fait l'image. Ok, c'est l'image. Parce qu'en fait, une image, elle est composée d'un ensemble de pixels. Donc X c'est l'image tout entière, elle est ou bien une matrice ou bien une transformation de cette matrice-là en un vecteur colonne ou bien un vecteur ligne dans laquelle on aura donc transformation. Je vous explique donc cette transformation. Donc cette image, donc cette image I, elle est donc transformée en un vecteur colonne X. Et ce vecteur colonne X, c'est en fait l'équivalent de cette matrice en vecteur. Donc, à partir de ce vecteur X, il faut donc trouver un modèle prédictif, un modèle de probabilité, parce que le but, c'est de calculer la probabilité pour que cette image, c'est l'image d'un chat. Bien sûr, à partir d'un paramètre, c'est impossible de travailler sur un modèle prédictif sans paramètres, sans des constantes. Et du coup, le but, c'est d'utiliser donc un paramètre constant dans lequel le but, c'est d'optimiser la probabilité de telle façon à trouver θ optimal. Donc, le but, c'est de déterminer le θ optimal. Vous voyez l'idée? Ok.
Puisque x est un vecteur, on va dire que ça c'est un vecteur, alors il faut donc trouver une relation, un modèle prédictif. Comment on peut trouver une prédiction à partir d'un vecteur, comment trouver une relation entre y et x? Voilà, c'est ça le but. Et la réponse, en fait, c'est pas comme la régression linéaire. Je vous ai expliqué que ici, la régression logistique, c'est on va utiliser la régression linéaire ici, mais sous forme de modèle de probabilité. Donc, la différence entre la régression linéaire et la régression logistique, c'est que la régression linéaire Y n'est pas une probabilité, ou bien elle peut être une probabilité, ou bien elle peut pas être un. Donc, c'est pas en fait une chose très importante, c'est pas une chose nécessaire dans la régression linéaire, mais dans la régression logistique, Y doit être en fait une probabilité. Voilà. Et ce modèle de probabilité, en fait, c'est un modèle basé sur la régression linéaire. Voilà. Ok. Donc, on va maintenant creuser dans les détails mathématiques comment on peut trouver en fait l'expression de la probabilité. Ensuite, d'optimiser cette probabilité pour déterminer la valeur optimale de θ. Voilà. Maintenant, la probabilité. Donc, comme je vous ai expliqué, il faut utiliser le modèle de la régression linéaire. C'est un modèle linéaire. Donc, il faut donc utiliser la même expression que celle de la régression linéaire. Donc, on a la probabilité pour que y égale 1, sachant qu'on a x et θ égale. Donc, c'est le produit scalaire entre θ et x, n'est-ce pas? C'est le produit scalaire entre θ et x. Voilà. Et du coup, vous savez bien en fait que x est un vecteur colonne, et du coup, bien sûr, pour la satisfaction en fait du vecteur, pour assurer en fait un produit scalaire, on peut écrire le produit scalaire sous forme d'une écriture matricielle. Vous savez bien ça. Alors, donc pour faire ça, pour assurer donc ça, en fait, on peut travailler donc sur le transposé. Donc θ, c'est un vecteur ligne, c'est un vecteur ligne, et x c'est un vecteur colonne, comme vous voyez ici dans la figure. X c'est un vecteur colonne et θ c'est un vecteur ligne, parce que on a fait le transposé. Du coup, le vecteur colonne devient un vecteur ligne. En multipliant un vecteur ligne par un vecteur colonne, alors on va trouver un scalaire, et ce scalaire là c'est la probabilité. Mais le problème, c'est pas ça en fait. La probabilité, c'est ça en fait le problème de la probabilité. C'est en fait il y a quelque chose qui manque dans l'expression de la probabilité, parce que l'idée de la régression linéaire a pour but de trouver y en fonction de x, et y dans ce problème c'est une probabilité. Ici y c'est une valeur binaire, ou bien 0 ou bien 1. 0 c'est l'absence d'un chat, et 1 c'est la présence d'un chat. Donc la probabilité pour que y égale à 1, sachant qu'on a donc x et θ bien sûr, égale à θ transposé fois x. Voilà. Mais cette expression n'est pas exactement correct. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que la probabilité est comprise entre 0 et 1. Et du coup, c'est pas une bonne expression, parce que le produit scalaire peut être, en fait, peut avoir des grandeurs supérieures à 1, est inférieur et aussi inférieur à 0. Et du coup, il faut un peu modifier l'expression. On va essayer donc d'utiliser le sigmoïde function. La fonction sigmoïde, c'est une fonction qui permet de faire un mapping de quoi? De cette expression de moins l'infini à plus l'infini. Au lieu donc d'avoir une marge de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on peut donc faire un mapping de 0 jusqu'à 1. Donc le moins l'infini c'est 0 et le plus l'infini c'est le 1. Voilà. Donc on va écrire donc l'expression de la probabilité sous cette forme là, égale sigmoïde de
θ transposé fois x. Voilà. Ensuite, donc c'est ça en fait la probabilité. Donc la probabilité pour que y soit égal à 1, ça veut dire la présence d'un chat. Sachant qu'on a x et θ, voilà, c'est sigma de θ transposé fois x. Voilà. C'est quoi en fait la fonction sigmoïde? La fonction sigmoïde, c'est 1 divisé par 1 plus exponentielle moins x. Voilà. OK? Et du coup, θ, sigmoïde de θ transposé fois x égale 1 divisé par 1 moins exponentielle moins. Voilà. Si par exemple x tend vers moins l'infini, donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de sigma de x, ça fait combien en fait? C'est 1 divisé par 1 plus exponentielle plus infini. Donc ça fait 0. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 divisé par 1 moins exponentielle moins x, ça fait 1. Et du coup, donc on est entre une marge entre 0 et 1. Voilà. Maintenant, donc pour x tend vers moins l'infini, on a sigma, la fonction sigmoïde de x tend vers 0. Et pour x tend vers plus l'infini, on a sigmoïde de x tend vers 1. Et si on va regarder comment la fonction sigmoïde se comporte, donc ça c'est en fait ça c'est 1 et ça c'est 0. Alors si par exemple on va voir si par exemple on va regarder son allure, c'est comme ça en fait. Voilà. Donc il y a une asymptote en fait entre 0, donc 0, donc y égale 0, c'est une asymptote. Asymptote en moins l'infini. Et y égale 1, ici on a asymptote en plus l'infini. Voilà. Et pour x égale 0, on a donc sigmoïde de 0. C'est 1 divisé par 1 plus exponentielle 0, c'est 1 demi. Voilà. Donc ça, c'est 1 demi. Et ça, en fait, c'est un point d'inflexion. Voilà, ça, c'est un point d'inflexion. Voilà, je vous explique. C'est quoi un point d'inflexion? Ça veut dire qu'il change de concavité. Voilà. Point 1. Ok. Point. Voilà. Donc ça, c'est en fait un point d'inflexion. Et du coup, ça, c'est en fait la fonction sigmoïde. Voilà. Et donc, on va utiliser la fonction sigmoïde pour trouver une expression de la probabilité et pour éviter d'avoir une réponse inférieure à 0 ou bien plus grand que 1. Et du coup, donc, on a seulement utilisé cette fonction sigmoïde pour transformer, pour faire une transformation d'intervalle au lieu de moins l'infini vers plus l'infini en 0 et 1. Donc ça, c'est une explication du sigmoïde, de la fonction sigmoïde. Maintenant, on va retourner à la probabilité. Donc la probabilité pour y égale à 1, sachant qu'on a donc x, ça c'est en fait l'image θ. En fait, c'est pas nécessaire qu'elle soit une image, donc on va dire on va prendre donc une expression généraliste, OK? Donc on a x, c'est n'importe quelle donnée, ok? Donc ça c'est en fait l'entrée. Et à partir de x, on va donc trouver y, mais sous forme un modèle probabiliste. Voilà. Donc sigma ici, donc la probabilité pour y égale 1, sachant qu'on a x et θ égale sigmoïde de θ transposé fois x. Voilà. Donc et bien sûr, la probabilité pour que y égale 0, sachant que
x theta égale donc 1 moins sigmoïde de theta. Voilà. Ok, maintenant le but c'est de calculer donc les probabilités, mais l'idée c'est que il faut choisir en fait ce θ en fait. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe quel θ qu'il faut mettre pour avoir donc la probabilité exacte. Il faut donc calculer la probabilité sachant qu'on a θ bien sûr, parce que θ c'est le paramètre qui permet de converger vers la probabilité correcte. Parce que moi en fait je ne sais pas la probabilité, on ne sait pas la probabilité en fait. Donc ici le but c'est de calculer donc la probabilité d'essayer de trouver un modèle probabiliste qui va converger vers le vrai modèle probabiliste. Voilà. Donc on va commencer par le calcul de θ. Donc il faut trouver θ optimal qui permet de converger vers la probabilité exacte. Bon, parce que pour chaque θ, on a une fonction sigmoïde donnée. Vous voyez comment? Donc il faut donc trouver la valeur la valeur optimale de θ. Alors, comment on peut faire ça? C'est la même chose, c'est le même principe de la sigmoïde, le même principe, pardon, de la régression linéaire. On a donc des échantillons. Donc ces échantillons-là, ce sont des échantillons donnés. Et une fois que ces échantillons donnés, on aura donc ces échantillons. Alors à ce moment-là, alors il faut utiliser donc ces échantillons pour déterminer θ. Alors, la probabilité donc YI égale à 1, sachant qu'on a XI θ θ égale sigmoïde de θ fois XI, n'est-ce pas? Et l'idée c'est que la réalité qu'on a XI, on a YI, pardon, on a YI, parce que c'est un échantillon. Donc le but c'est de maximiser la probabilité ici. Pourquoi? Parce qu'on a YI. Et l'idée c'est que on peut écrire cette expression-là sous forme en fait d'une seule expression. Ça veut dire que je peux écrire la probabilité de Y, sachant X, sachant, pardon, et θ, ok, égale sigma de θ voilà, plus 1 moins sigma de θ x 1 moins y. Voilà. On peut écrire donc cette expression, c'est même. Parce que l'idée c'est que ça dépend en fait de YI, parce que YI elle est donnée. Donc on a donc x de i et y de i. Voilà. I de 1 jusqu'à n. On a donc ça c'est donné. La probabilité pour que donc YI sachant XI θ θ égale sigma de θ i transposé fois XI YI plus 1 moins sigma de θi xi 1 moins y. Voilà. YI est connu. Donc il faut maximiser cette probabilité. Ensuite,
On peut écrire y, c'est un vecteur, sachant qu'on a x, en fait x c'est ici une matrice, θ c'est le produit de 1 jusqu'à n de cette expression. Pardon, excusez-moi, ça c'est fois, c'est pas plus, ok? Donc ici dans, c'est pas plus, c'est fois en fait, ok? Bon. Voilà. Voilà. Maintenant, ça c'est donc la probabilité de Y. Donc on a ici virgule, et ça c'est donc une matrice. OK. Et maintenant, on va faire un logarithme parce que c'est plus facile de travailler avec la sommation parce que ça c'est en fait un produit. Donc on va utiliser le logarithme pour faciliter le calcul, pour trouver la valeur optimale de θ. Et ça c'est donc la fonction likelihood. Donc ici la fonction likelihood qui dépend de θ et bien sûr des échantillons. Mais le plus important c'est θ. Donc x et y. En fait c'est le produit de i de 1 jusqu'à n de sigma de θ i transposé fois xi. OK, yi fois 1 moins sigma θ i transposé fois xi 1 moins yi. Voilà. On va faire maintenant logarithme népérienne de la fonction likelihood. Elle va devenir une sommation de 1 jusqu'à n logarithme de ici yi logarithme de θi xi. Voilà. Plus 1 moins yi logarithme népérienne de 1 moins sigma de θi transposé fois xi. Donc, pour répéter, parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi on fait ça, l'idée c'est que les échantillons sont connus, ce sont des données. On travaille sur un modèle général prédictif. Pas seulement on va appliquer ça sur les échantillons, mais on va appliquer ça sur toutes les possibilités, tous les échantillons autres que ces échantillons, parce qu'on a une infinité d'échantillons. Et le but, c'est de travailler sur cette partie de ces échantillons. OK? Donc ça, c'est en fait n. Et le but, c'est en fait de trouver un modèle prédictif en se basant sur ces n. Et du coup, le but ici, c'est de maximiser cette probabilité, la probabilité ici, en se basant sur ces données-là. Voilà. OK? Donc, en se basant sur ces données-là, on trouve θ. Parce qu'on peut seulement faire que ça. Donc, l'idée, c'est qu'il faut travailler sur ces données-là pour trouver la valeur optimale de θ. Après ça, on peut travailler sur θ, on peut utiliser θ pour prédire y. Voilà. Mais prédire ici la probabilité, pas y. Bien sûr, après ça, on travaille donc sur la probabilité, on peut générer y. Voilà. OK. Donc, on est ici. On a donc travaillé sur. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc ici, on a le logarithme. Voilà. Après ça, il faut travailler sur la dérivée parce que c'est elle qui maximise. Okay, parce que ici, on a maximisation. Donc, et du coup, on a maximisation. Voilà. Donc, on va travailler sur la dérivée. Mais ici, puisque θ, c'est un vecteur, alors il faut travailler donc sur le gradient, voilà, par rapport à θ. OK? Et du coup, après donc calcul de θ étoile,
On va, pardon, ici, voilà. Donc, on a logarithme de L, c'est la sommation de i de 1 jusqu'à n, yi, logarithme. On va donc transformer. Vous voyez ici, on a donc la sommation, pardon, le logarithme de sigma. On va transformer. Donc, on va remplacer sigma par cette valeur, par sa valeur exponentielle moins theta i, theta, pardon, theta sans theta i, pardon, excusez-moi. Voilà. Voyez ici, qu'est-ce que ça? Ah, okay. Voilà. Plus 1 moins yi. Voilà. Ensuite, logarithme de exponentielle. Parce qu'il y a 1 moins θ en faisant dénominateur commun. Donc, en utilisant dénominateur commun, on va trouver donc cette réponse. 1 moins exponentielle iθ transposé fois xi. Voilà. Voilà. Maintenant, on va écrire plus détaillé l'expression pour bien trouver θ. Yi, logarithme de 1 divisé par 1 plus exponentielle moins sommation de j, parce qu'il y a i, allant de 1 jusqu'à n. Ok. De quoi? De θ i xi. X i j. Voilà. Ici c'est j. Voilà. Plus 1 moins y i. Logarithme de. On va essayer de simplifier aussi. Donc on va dire exponentielle ici. Logarithme. Ah, ok, 2 moins la sommation de j de 1 jusqu'à n de θ j x i j. Voilà. Moins 1 moins y i. Voilà. Logarithme de 1 moins exponentielle de sigma de 1 jusqu'à n, si c'est n, ok, de θ j, i j, voilà. Ok, je sais que c'est très 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 difficile. Ok, ici c'est plus, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? S'il y a le moins, on a oublié le moins aussi. Vous voyez comment? Après ça, pardon. Donc, logarithme de L égale, on va essayer de simplifier l'expression. Donc, on va dire ici moins la sommation de i de 1 jusqu'à n. De y i. Logarithme. De 1 plus exponentielle de moins summation de j de 1 jusqu'à n. De θ j, x, i,
Voilà. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, on va essayer de joindre ça avec ça parce qu'ils sont la même expression, ils possèdent la même expression et du coup on peut écrire moins sommation de i de 1 jusqu'à n. Voilà. De 1 moins yi. Voilà. Voilà. De logarithme de 1 plus la même chose. Exponentielle de la sommation de j de 1 jusqu'à un theta j x de i j. Voilà. Ça c'est donc voilà. Ensuite, on a ce terme-là. Ce terme-là, vous voyez comment? Ce terme-là, on va utiliser donc c'est 1 moins yi fois logarithme exponentiel, c'est en fait moins de j allant de 1 jusqu'à n. En fait, il y a ici sommation de i de 1 jusqu'à n. Voilà. Vous voyez comment? Ce n'est pas difficile, mais il faut comprendre le calcul. Il faut bien faire attention. Voilà. Voilà. Ensuite, égal. Bon. Ensuite, donc on a ici moins. Vous voyez le YI. Donc, ça, après simplification, on trouvera donc la sommation de 1 jusqu'à n. Prends n. Le logarithme de 1 plus exponentielle la sommation de j de 1 jusqu'à delta j x de i j. Moins i allant de 1 jusqu'à n de 1 moins yi de la sommation de j de 1 jusqu'à n theta j xi j. Voilà. Voilà, c'est ça donc l'expression de la logarithme. Bon, on va essayer de faire un copy, c'est possible de faire un copy-paste. Bon, on va essayer donc d'utiliser. Ah non. Ah, c'est possible. Ah non. On peut revenir. Oh non, c'est pas. Bon. On peut pas faire CTRL-Z. Qu'est-ce que c'est passé en fait? Ah non, si. Bon, je ne sais pas en fait, c'est la première fois que j'utilise ce logiciel. Bon, on va essayer donc de trouver une expression simplifiée à la fin. Donc, logarithme de L, c'est
Oui, je vois que c'est un peu compliqué l'expression i de 1 jusqu'à n. Ensuite, on a le logarithme. Attendez. Oui, c'est le logarithme de 1 plus exponentielle moins j de 1 jusqu'à petit n de delta j xi. Donc voilà. Ensuite, on va voir si c'est moins ou bien plus. Ça, c'est moins. Alors, c'est quoi? J'ai oublié. Attendez, ça c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Bon. Donc ça en fait... attendez, je vais regarder ici. Donc ça c'est 1. Ok, je vois. Donc ça c'est la somme de i de 1 jusqu'à n. De quoi? De 1 moins yi fois quoi? Fois la summation, notre summation de j de 1 jusqu'à petit n de quoi? De θ j x j. Voilà. Maintenant, on va faire le calcul de la dérivée du logarithme égale 0. Ça, c'est donc l'équation. On va donc faire la dérivée. Ça, c'est grand N. Donc voilà, ça en fait, ça c'est la summation de 1 jusqu'à N. Mais ici, par rapport à j, ah, ça c'est un peu compliqué parce que ici, le logarithme va donc transformer ce logarithme entre u' divisé par u. Donc, et du coup, ça c'est j divisé par 1 plus. Attendez, non, c'est pas ça. Comment on peut. Ah. Non, non, c'est pas ça. Attendez. Ici, logarithme de 1 plus exponentielle moins x. Je veux faire la dérivée. Ok. C'est en fait la dérivée de ça divisé par. Ok. Donc c'est moins x moins x divisé par 1 moins x. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, et du coup, on a déjà le moins. Donc, on a moins xj, xij ici. Xij. Voilà. Divisé par. Non. Attendez. Ça en fait, attendez, je veux juste expliquer ici. Donc ça en fait une fraction. Je vais mettre 1 plus exponentielle j 1 jusqu'à theta j xij. Voilà. On va faire donc la dérivée de ça. La dérivée de ça, c'est... attendez. Donc, c'est moins... moins de... xj exponentielle. De la summation de j de 1 jusqu'à n theta j x
moins xi ici. Voilà. Donc voilà, égale 0. Donc on a combien d'équations? On a j de 1 jusqu'à n. Voilà. Voilà. Donc on a n équations. En résolvant ces équations, on va trouver θ étoile qui est θ1 étoile, θ2 étoile, jusqu'à θn étoile. Et du coup, vous voyez, je sais que c'est un peu compliqué. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer donc de faire une résolution de cette équation, comment on calcule θ, parce que on n'a pas le temps suffisant pour faire une vidéo de 3 heures. Comment on calcule θ, mais dans la prochaine vidéo, je vous explique comment on résout cette équation. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est une longue vidéo, mais on va essayer pour la prochaine fois de diminuer le temps de la vidéo. Moi, en fait, le but, c'est de faire une série de vidéos sur les algorithmes machine learning, mais d'une façon détaillée. On va détailler la théorie. Après ça, je vous explique comment on applique la régression linéaire sur MATLAB, sur Python, et d'autres logiciels et langages de programmation. J'ai essayé de faire d'expliquer la régression linéaire en MATLAB. La prochaine vidéo, je vous explique comment on applique la régression linéaire sur Python en utilisant Jupyter et d'autres. Et après ça, on va essayer d'appliquer la régression logistique. Et pour la prochaine vidéo, en plus, je vais vous expliquer le SVM et le K-mean clustering. Ok, donc à la prochaine vidéo. Donc je m'appelle Fadi Daoura, je suis un ingénieur télécom et data scientist, diplômé de l'université libanaise et de Centrale Supélec en 2019. Le but maintenant aujourd'hui de ma chaîne YouTube, c'est de vous expliquer les conceptions en général, mathématiques détaillées et applicatives des algorithmes machine learning dans différents domaines. Ok. À la prochaine.